Yo yo yo, c'est la Team S3. Aujourd'hui c'est la Champions League, ma mère. Yo la S3 Family, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, gros défi PSG Manchester. Regardez qui je vais représenter aujourd'hui. Mayo Cantona, car je suis en Anyens, donc voilà. Et Moss représentera le PSG. Le premier défi, tir de précision. Il y a une poubelle au loin. Le premier qui met le trick shot a gagné. Le vent, la pluie, tout ça pour quelques euros d'AdSense. Ah oui! Eh oui! Oh, bâtard! Comment il a fait ça? Bounce magic! Dum, 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 dum. Si tout se passe bien, rentre pas. Si tout se passe bien. Est-ce que c'est bien passé? Normalement, il y a du vert partout ici là. Péon, péon, péon de néon, péon. Deuxième défi, on va tester les contrôles. Mais pas des contrôles sur tu te passes tranquille. Eh, celui qui fait la passe, il met une frappe de. T'as capté. Et l'autre qui doit la contrôler le mieux possible. Celui qui fait le plus beau contrôle, gagne ce défi. Enculé. J'ai voulu le brain. C'est pas passé. Bon, premier essai, on va y aller mollo, on va y aller tranquille. Ouais, cherche à le tuer, ouais. C'est pas ouf, pourtant la passe elle était pas forte, forte. Genre juste il était un peu naze. C'est à mon tour, je vais l'allumer. T'es prêt? T'es sûr, hein? Et bah un contrôle chacun. Ouais. Je vous jure que on dirait, je sais pas si on le ressent vraiment en vidéo. Je vous jure ça fait peur parce que ce chien il arrive, grosse frappe, toi t'es là. Premier réflexe, tu l'esquives la balle, t'as même pas envie de la contrôler. Du coup voilà, après voilà, on a montré nos prouesses tactiques et techniques sur le petit contrôle plat du pied. Du coup la balle reste là, on appelle ça la glu. Et puis voilà. Ok les gars, premier récap, premier défi remporté par Boom Magic. Le deuxième, il y a eu match nul et tout va se jouer sur le troisième défi. Manchester, comme au match de ce soir, doit s'imposer sur le troisième défi. S'imposer, c'est un grand mot. Parce que moi, il faut que je gagne quand même. C'est ma qualif qui est en jeu, ok? Le troisième défi, archi simple. Je vais dire à Andreas, tire là-bas. S'il tire là-bas, il prend un point. S'il tire pas là-bas, il n'y a pas de point. Allez, c'est parti. En gros, pour ceux qui comprennent pas mon dialogue, parce que c'est vrai que c'est pas le plus simple à comprendre, va falloir que je dise des parties, des cages à Andreas où il faut qu'il tire. Et s'il arrive à la mettre, il prend un point. S'il n'y arrive pas, c'est pas de point. Et moi, il faut que j'en mette plus que lui, 3 points. Le premier qui arrive à 3 points a gagné. Let's go, c'est parti. Là, je suis dans sa tête parce qu'il sait que deux fois, j'ai fait Pierre. Du coup là je suis dans sa tête de ouf, là il pense que je vais encore faire pierre. Ou bien s'il pense que je vais faire feuille parce que j'ai fait pierre avant, là je suis dans sa tête de ouf. Super. Excellent. Pierre, feuille. Je suis dans sa tête. Je suis dans sa tête. Eh bien Andreas, pour cette première frappe, j'aimerais ni plus ni moins qu'une lucarne gauche s'il te plaît. Oui gauche, pas droite, gauche. Ouais, à côté, c'est le terme exact. Ok, meuf, donc pour moi, tu vas me mettre une petite lucarne droite. Vas-y, bien vu. Eh, on aurait mis 3 buts, ça serait pas rentré. T'as apprécié? C'est l'échauffement. Écoute, Andreas, j'aimerais, si tu m'acceptes ce défi, j'aimerais une lucarne gauche. T'as juste à croiser. T'as juste à croiser, normalement c'est. Ok Moss, pour moi s'il te plaît, tu me mets une lucarne droite. Ça, tu veux vraiment pas que je croise, hein. Enfin que je joue. Oh là là. Andreas, est-ce que tu mettrais pas une lucarne droite? Dans ma phrase, déjà tu me mettrais pas, hein. Je sais, tu vois. Il aime trop faire du Boom Magic sans la mettre. Non mais en fait, tout à l'heure je suis en Boom Magic parce que j'ai froid.
Ok, moche, bah là je veux que tu me fasses une lucarne gauche. Allez, fais-toi plaisir. T'as des crânes depuis tout à l'heure, je m'entraîne à la droite et là tu veux une gauche. T'inquiète même pas, mon gars. Oh bah, dis-moi rien, gauche, lucarne opposée, Naples, Liverpool, tout le monde a pris, pourquoi pas toi? J'ai envie de te dire. Un point d'avance. Est-ce qu'Andreas, tu me ferais le plaisir de mettre une barre? Oui, j'espère. Oh, sa mère. Ouais, toujours. C'est pas mon genre. De toute façon, je suis avec le PSG, de la je l'ai dit. Donc on peut dire que j'ai fait exprès depuis tout à l'heure. Ok, moi j'aimerais que tu me mettes un crossbar s'il te plaît. Oh, magic. Écoute, le talent soit tu l'as pas, j'ai envie de te dire. Je pense que je l'ai assez démontré dans cette vidéo. Après, bon, certes, c'est pas terminé. Ne jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir mangé. Je peux revenir. Andreas, tu pourrais me mettre une crossbar s'il te plaît? Andreas, moi j'avais pas demandé ça. J'avais demandé une lucarne. Je sais pas qu'est-ce qui t'a pris. J'ai un point, les gars. Ok, Moss. Est-ce que tu peux mettre cette lucarne droite, s'il te plaît? Let's go! Et ouais, mon gars! Clair, net et sans bavure! J'étais pour PSG, moi, comme je l'ai dit depuis le début. Paris. Vendu! Ça, c'est depuis les Qataris, ça! J'étais parisien avant même qu'il naisse, ce petit garçon. Ah, dit-il avec un maillot de Manchester sur le torse. Ça, c'est parce que la Team S3 m'a obligé à faire ça. Il me séquestre tous les jours. Let's go! Yo, c'était la Team S3. On espère que vous avez kiffé cette vidéo. Voilà, gros défi, gros match ce soir. Moi, mes pronostics, c'est vraiment un 2-0 pour le PSG. Toi, c'est comment? Bah, arrêtez avec ce maillot, là. Bah moi je pensais à 2-0 pour le PSG parce que vu que moi j'ai le maillot du PSG, que je suis un supporter du PSG. Bah parce que moi en fait je pensais que toi t'allais être pour une victoire de Manchester. Mais vu que t'as perdu aujourd'hui, tu te dis peut-être que Paris sont vraiment plus forts. Non. Ok. Ça n'avait rien à voir avec le défi. Rien à voir, ok, ça marche, super. Dites-nous vos pronostics en commentaire. Celui qui trouvera le bon pronostic, il gagne rien. Parce que ça fait plaisir. Mais voilà, on espère une qualification du PSG. Pour voir Neymar et Cavani revenir à partir des quarts de finale et ne pas tomber contre l'Ajax parce qu'ils sont vraiment très très forts. Je sais pas si t'as vu, ils sont vraiment très chauds. C'est chaud. Ok les gars, d'ici là la recette n'a pas changé. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout, allez Paris! Allez Paris!